Une série de passes entre amateurs de football au milieu du parc de la Porte de Ninove. L'échauffement avant un match de foot de rue un peu particulier. Qui ne viendrait pas au plus grand match de foot du monde? Car le terrain est à cheval entre deux communes. C'est du foot de rue et donc c'est dans la rue se déroule un match de foot sur 1 km de distance entre Molenbeek et Anderlecht. Un match de grande envergure qui permet le temps d'une après-midi de se réapproprier l'espace public. Je suis venu parce que j'aime bien. Parce que j'aime bien faire le foot dans l'espace public aussi. Je suis curieux comment ça va se passer. Mais vraiment de prendre l'espace public autrement que ce qu'on a l'habitude. En tant que piéton, piétonne, on se contente d'être sur des tout petits espaces et là on va tout envahir quoi. Pas de règles, pas de sortie et pas de gardien. Même le rôle de l'arbitre a été revu. S'il y a du foot trop dangereux, on va arrêter le match et essayer de recentrer le jeu. Aussi, si le match va trop loin et se dirige dans la direction opposée des goals, là, on va recentrer et essayer de le guider. Et aussi, il faut savoir que c'est pendant la journée sans voiture. Donc, a priori, il n'y a pas de voiture dans la rue, à part peut-être les urgences. Mais il y a plein de vélos et donc on va aussi essayer de gérer la circulation s'il y a trop de vélos qui passent. Après l'ouverture du score par l'équipe grise, ici sur la place Brinfo, les joueurs font une petite pause. L'occasion pour les organisatrices de faire un premier bilan et d'éventuellement adapter le terrain. Le concept, on ne va pas le changer, ce sera toujours dans les rues et il n'y a pas de règles et tout. Mais au niveau du territoire, du terrain qu'on choisit, il faut qu'on en discute avec ma team. Donc ça s'est amené à évoluer. Voilà. Au final, pas de seconde manche, l'équipe grise gagne le match. Le terrain, quant à lui, est rétréci.